Et hey yo salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo tardive. Je sais pour certains il est tard mais bon vous êtes en vacances et j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire car ça y est on en sait un peu plus en ce qui concerne le prochain DLC donc qui se nommera euh, la maison des loups. Donc voilà ce DLC de Destiny sortira le 9 mars 2015 donc dans un peu plus de 3 mois il va falloir être encore un petit peu patient. Euh... Donc en fond d'écran, vous pouvez voir une capture qu'un Américain avait faite. C'est euh, tout simplement, il montrait grâce à un petit bug euh, les emplacements des prochaines missions, des prochains assauts et du prochain raid euh, qui seront présents donc, sur le prochain DLC. Voilà. Quant à moi, je vais vous énumérer un petit peu les nouveautés de ce DLC. Donc il y aura des nouvelles armes, des, nouveaux, des nouvelles armures et des nouveaux équipements à gagner. Donc ils seront légendaires et exotiques. Il y aura aussi une arme euh, exclusivité PS3-PS4. Voilà. Euh, le niveau de lumière sera porté au niveau 35. Donc, on pourra gagner 3 niveaux supplémentaires par rapport au DLC présent. C'est toujours bien. J'aurais aimé un petit peu plus, mais voilà. C'est toujours bon à prendre, 3 niveaux de lumière. On pourra également euh, acheter 5 contrats supplémentaires. C'est-à-dire qu'on pourra porter 15 contrats. Actuellement, on peut en porter 10. On pourra en porter 15. Voilà. Il y aura, comme vous en doutez, des nouvelles quêtes euh, qui seront ajoutées. Donc, ces quêtes, euh, ces quêtes seront en rapport... Avec la reine des éveillés, car en fait le prochain DLC va tourner, euh, sera tourné vers une histoire avec la reine des éveillés et les loups. Donc en gros, il euh, y a un baron des loups et ses complices qui ont trahi la reine, et en gros il va falloir récupérer des objets qu'ils ont volés à la reine. Voilà, en gros ça va se tourner comme ça. Donc il y aura des missions qui auront lieu sur la Terre et sur Vénus, voilà, euh, notamment sur la citadelle. Pour ceux qui, ont, qui avaient vu la vidéo du glitch, en fait, il y aura des missions qui auront rapport avec la Citadelle ou un assaut. D'ailleurs, je pense plutôt à un assaut, voilà. On pourra notamment monter sur le haut de la forteresse des Vex sur Vénus. Et voilà, donc, euh, comme vous en doutez, il y aura aussi des nouvelles maps euh, en multi. Donc, il y en aura trois nouvelles, notamment une qui sera exclusive à la PS3 et PS4. Voilà, on est toujours un peu plus gâté, ça fait plaisir. Et, et voilà, il y aura évidemment... Évidemment, ce qu'on attend tous, le nouveau raid, donc il sera intitulé le raid Riff, donc ça c'est en anglais je pense, donc voilà, il aura lieu dans la ceinture d'astéroïdes, là où sont présents les éveillés, donc voilà, dans la mission que vous avez faite au début du jeu, il y a les éveillés, vous vous rendez sur l'astéroïde, et en gros, le raid aura lieu là-bas, donc voilà, j'ai vraiment hâte d'essayer ça, même si, voilà, on n'a pas encore fini Cropta, il reste le, le raid Hard 33 qui sortira en janvier. Mais j'ai vraiment hâte qu'ils sortent parce que, franchement, aller euh, taper un petit assaut sur les astéroïdes, on ne sait même pas à quoi ça ressemble encore les décors, on n'a pas pu voir. Il euh, n'y a pas de mission en fait là-bas et on n'a pas pu voir encore ce que ça donnait. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous pensez donc de ça, ce que vous espérez, pourquoi pas, qu'il y aura de neuf dans le jeu. Dites-moi, enfin partagez avec nous, il n'y a pas de souci. Quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde! Oh, j'ai galéré